Yo, la famille, c'est comment? J'espère que vous allez très très bien. Voilà, je vous avais promis une vidéo aujourd'hui concernant le direct que j'avais fait hier. Voilà. Donc, chose promise, chose due. Voilà pourquoi je fais cette vidéo-là. En fait, vous avez même vu aussi Didier Arafat qui a fait tardivement hier un direct sur le même sujet. Franchement, je vais vous expliquer un truc. Il y a deux contextes en fait. Mon artiste de Bordeaux se plaint de quoi? De la foutaise de ne pas recevoir un rond de cet événement-là. Ça, c'est la plainte de mon artiste de Bordeaux. Et puis il y a Ketivara, lui, qui certes est dans le même élan que de Bordeaux pour une histoire d'argent, mais lui, en fait, c'est le manque de considération. Lui, il dénonce le manque de considération. Il crie son ras-le-bol pour le manque de considération. Voilà ce que moi je vais dire, honnêtement. Moi, jusque-là, c'est juste des vidéos de réaction que je fais. Je n'affirme rien. Je fais juste une analyse. S'il s'avérait vraiment que le grand frère Mollard, depuis la première édition, n'avise même pas ces artistes-là avant de les mettre dans son événement, je pense que c'est de la pure et simple foutaise. Et c'est quelque chose qui est très condamnable au niveau de la justice. Mais je ne parlerai pas de condamnation ici. Mais ça ne se fait pas. Dans tous les pays qui se respectent, dans toutes les organisations qui se respectent, lorsqu'il y a ce genre d'événement-là, c'est au moins un courrier, ou bien au moins c'est à la limite un appel ou un SMS pour dire que à la prochaine édition, tu seras nominé dans telle catégorie. Quand c'est comme ça, même l'artiste se sent respecté. Ça, c'est le cas de Kedivara. Moi, j'ai été choqué. Moi, j'ai pensé que, bon, peut-être que Kedivara exagérait, mais Kedivara, mine de rien, c'est un artiste qui ne parle pas comme ça. Quand il parle, il a vraiment mûri ce qu'il a dit avant de sortir ça. Donc, franchement, c'est quelque chose d'inadmissible. On ne peut pas organiser un événement où tu vas prendre l'image de certains artistes pour les afficher. Et ils ne sont même pas au courant. Et tellement ils sont serrés, et tellement ils ne connaissent pas leurs droits, tellement aussi eux-mêmes ils ne connaissent rien, ils n'aiment pas écouter les gens. Brouh, ils suivent dans la masse. Ça ne se fait pas. Un minimum, c'est un appel ou bien un SMS ou bien un courrier pour envoyer électronique. Ça, c'est le premier aspect. Mais donc, on ne peut pas organiser un événement de récompense du travail des artistes ou même d'un artiste. Et puis, on va juste lui donner un trophée honorifique. Foutaise quand même. Foutaise, faut pas vraiment se mentir. C'est des choses qui ne se font pas. Dans toutes les organisations, on met quelque chose dessus. On met et le prix de la valeur du trophée, au cas où on devait le reprendre à l'artiste, et la récompense même de la nomination. Mais il y a des Bordeaux qui nous disent qu'ils ne reçoivent même pas un rond. Non, quand même. Comme on dit trop, c'est trop. Je comprends pourquoi Didier n'a pas dit lui veut 100 millions. Parce que oui. Il suffit d'une bonne organisation. Moi, je pense que le grand frère Moura, tu rentreras largement dans tes fonds. Parce que comme on dit là, tu vas manger tout ce blé à toi seul. Et puis le reste, à la limite, ils viennent juste comme des marionnettes assister à l'événement. Et puis bon, on va leur donner des faits. Et puis ils rentrent chez eux à la maison. C'est eux qui réfléchissent. C'est eux qui composent. C'est eux qui déploient leurs gosses. C'est eux qui déploient leurs voix. Déjà même que les CD, on dit qu'on ne paye pas, que ça ne marche pas. C'est dans les petits trucs comme ça qu'ils peuvent s'en sortir. Les Grammy, les Oscars, les MTV Awards, les Koundé, les Kora. Quand on veut faire quelque chose, on prend exemple. Même si tu ne peux pas donner tout l'argent du business, au moins tu divises un peu pour donner à chaque artiste. Et puis il y a un autre truc qui m'a pas plu aussi dans la vidéo des trucs de Kedivara. Mais je dis pas, je parle pas de Kedivara, mais je parle de ce qu'il a dit sur Omola. Parce que moi j'ai remarqué qu'effectivement ce qu'il a dit c'est pas faux. Ces artistes ne sont pas sur tes événements. Tu ne partages aucun de ces trucs, de ces choses, de ces vidéos, de ces informations. Tu ne vas pas à ces cérémonies. C'est normal. Tu ne peux pas fonctionner comme ça avec un artiste et puis demain tu dis bon, toi tu es nominé dans telle catégorie. Tu l'appelles même pas. Franchement, les amis, partagez cette vidéo-là pour que au moins ça s'arrête, quoi. Voilà, ça doit s'arrêter. Nos artistes-là, on doit les respecter.
Voilà. Ils doivent construire les maisons. Ils doivent devenir quelqu'un. Là, demain, s'ils sont à la retraite, là, on va dire, voilà Arafat, il a construit ici. Voilà Debodo, il a construit ici. Voilà son business. Voilà son business. Mais si on doit créer des événements, créer des spectacles, des cérémonies pour manger sur eux, c'est des choses à dénoncer. Voilà, et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis avec Didier Arafat, je suis avec Debordeaux, je suis avec Kedivara. Ceux qui ne connaissent pas leurs valeurs, ceux qui ne se font pas respecter, qui continuent dans cette lancée-là. Au moins, on a réagi. Ciao, ciao, les amis.